Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45 et nous sommes en live. Il commence à y avoir du beau monde. Il y a du beau monde, il y a toujours du beau monde. Le chat, un petit coucou YouTube, là, ça fait toujours plaisir. Allez, faites un petit coucou YouTube, parce qu'on aime dire bonjour aux gens, évidemment, et on aime dire à quel point on est bien sur Twitch. Donc, rejoignez-nous tous les soirs, ça fait toujours extrêmement plaisir. Évidemment, nous sommes en live tous les soirs à partir de 19h et nous sommes aujourd'hui sur Hunt Showdown, ok. C'est un jeu qui fête son 4e anniversaire. C'est la période. On est dans la période du 4e anniversaire. Et il est sorti en V1 en 2019. En août 2019, j'ai l'air de grave bien connaître le jeu. MDR, non. On a fait un brief en live juste avant. Je suis accompagné d'Alfouille et de moi. Vous allez bien, les gars? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'air d'être extrêmement motivé à partir à la chasse. Alors, je vous cache pas qu'on m'a dit, gros, c'est un jeu de chasse, tu vas kiffer. Alors, moi, les jeux de chasse, c'était pas trop mon délire. C'est comme un jeu de pêche. Je suis en mode, ok, ça peut être cool, mais je connais pas, tu vois. J'ai vite compris que ça allait pas être un jeu de chasse comme les autres. Il y a donc des zombies, il paraît. Mo, tu vas nous expliquer un petit peu plus ce que tu sais, ce que tu peux nous expliquer. Je tiens juste à préciser que, étant donné... Déjà, c'est une OP, donc merci beaucoup pour cette OP. Voilà, ça me fait plaisir de découvrir un jeu qui m'a l'air de qualité pendant une OP. Et je tiens à préciser que, pour le 4e anniversaire, ils ont fait une promo où, en gros, vous avez les 4 DLC... plus le jeu de base, dont le dernier DLC sorti, pour 24,99€, c'est plutôt pas dégueulasse. Correct, vous aurez le jeu complet de base et les 4 DLC sortis jusqu'ici pour 24,99€, ce qui fait une économie de 80%, messieurs, dames. Et Hunt est un jeu qui ajoute continuellement du contenu, donc on va découvrir tout ça tous ensemble. Tout au long de l'année, il y a plein d'événements. À Halloween, il y a des événements spéciaux, à Noël, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à vous connecter de temps en temps pour ceux qui ont bien aimé le jeu et tout. Je précise aussi autre chose, sur Twitch, au moment présent, maintenant, il y a 3 clés Hunt à gagner. D'ailleurs, je tiens à préciser autre chose aussi, comme quoi tout se passe sur Twitch, c'est incroyable. Il y a des drops, donc vous avez juste à regarder ce live. Vous pourrez gagner des trucs pour le jeu, et ça, c'est encore plus incroyable. Bref. Pour le principe du jeu, c'est assez simple. On va être déployé dans une map où il y aura d'autres équipes de joueurs, donc de 3 joueurs. Et on va tous avoir une cible à chasser. Sauf que la cible, on ne l'a pas. On doit chercher des indices. Dans cette map, on va devoir se déplacer de manière très discrète car il y a des zombies. Et on ne doit pas se faire repérer par les autres joueurs. Car ils peuvent nous tuer et on peut les tuer. Et le but, c'est d'obtenir la prime. Donc, de tuer le boss final. D'accord. C'est le principe global du jeu. Ok. J'ai un peu oublié, mais en gros, quand on meurt de base, on perd nos persos. Mm-hmm. Et on peut recruter, du coup, des chasseurs, donc les chasseurs, qui ont des équipements différents. L'équipement, on peut le modifier comme on le souhaite après. Hein. D'accord. Il y a une liste à acheter avec l'argent qu'on obtient avec les primes. Mais il faut dire que si jamais ton personnage, après le rang 11, meurt, tu perds ton chasseur. Donc, c'est un système de raid où tu ne récupères pas le personnage qui est mort. On est d'accord? Ouais. Ok. Prenez votre longue vue. Prends ta longue vue. Comment tu fais? Attends. Avec la molette. Tu prends ta longue vue. D'accord. Tu cliques droit là, tu regardes au pont et il y a un mec chelou. Hein. Et apparemment, moi j'ai pas de longue vue, j'ai des fusées. Injection d'endurance. Ouais, il y a un mec chelou effectivement. Ah là. Ou... Ah okay. Non, c'est une demoiselle. Ah non, c'est un zombie. C'est un zombie. Ouais, 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 ouais. Ok. Donc là, monte. Oh, regardez, ça a tiré. Oui, on l'a bien entendu. Voilà. Ok. C'est tout ce que t'as à nous dire. La carte. Oh pardon, excusez-moi. Tu disais sur les balles qu'on en avait pas beaucoup. Oui, on en a pas beaucoup. En bas à droite, tu as le nombre de munitions. Ok, donc là, faut peut-être en face, on a des corbeaux, on va contourner. Et c'est quoi les trucs bleus? Ça veut dire quoi? Ah oui, attendez, voilà. Oui, c'est les indices. Ah, on lui apprend le jeu, hein, faut le savoir, il est rang 16, mais... Oui, mais ça fait longtemps. Ok. D'ailleurs, quand on maintenait eux, normalement, c'est là où on peut voir... Les joueurs se déplacer, mais faut être discret. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais gros, je sais pas, je me fais attaquer par quoi là? Il y a des monstres dans l'eau. Ah bah oui, mais ça faut pas hésiter à lire, mon ref. Hein. Attends, mais je vais pas traverser moi. Ah si, c'est trajet. Ah, si, je vais essayer de le parcours. Oh non. Parcours. Restez. Peut-être un coupé là. Je suis tombé dans un prank. Les gars, vous êtes où? Je suis derrière toi. Il y a des zombies ici. Hop. Vous le tuez comment? Corps à corps, normalement, merde.
Donc t'es je me sens rapproche. Oh, ouais, les gars, gros balèze. Oh, il est balèze, lui. Attends, je me casse. Ouais. Ouais, venez, on va aller à l'échelle qui est sur le... Mais attends, l'indice est juste dedans, tu veux pas qu'on aille check? Ouais, mais on va passer par l'échelle à gauche, là. Vas-y. J'ai un cocktail Molotov. T'es où? Au cas où. Ah, quand ça clignote en rouge... Ok, il y a un zombie sur la droite. On peut pas le tuer? Il y a un chasseur qui est à côté de l'indice. Quand l'indice clignote en rouge. Je peux y aller en scred ou pas? Si tu as... Lui, il est balèze, hein. Une arme de corps non, à corps... Non, mais c'est un zombie normal, ça, frérot, je m'y connais. Attendez, j'ai passé un piège pour les joueurs. Hop. Je peux le tuer? Je peux aller le tuer? Si tu as une arme de corps à corps, oui. Moi j'en ai une. J'ai un couteau, j'ai un cut, j'y vais. Vas-y, je te couvre. Et on a la même bête à chasser, c'est à celui qui le chasse, c'est ça? C'est ça. En premier, oui. Il est où ce con? Comment on fait? Mort. Mort, mais ouais. Ah, il y en a un qui arrive. On zombie. Dans le dos, escalier, pas de temps. Gros. Et Homer, c'est un mec balèze. Restez caché. Gros. Ah on peut le tuer ou pas? Oui, il faut le tuer maintenant, faut tirer maintenant. Un qui nous a repéré. Mort. Bien joué. Ok, où est l'indice? Ah, t'as pas un enjeu. Ah ouais? Je sais pas comment j'ai fait. Où est l'indice quand même? Attendez, je... Mais ça fait peur le jeu là. Ouais, maintenez-le pour mieux entendre les bruits de pas et tout, pour entendre les... Les joueurs marchaient sur des bruits de verre, par exemple. Il est en dessous, le truc. Je prends les indices, j'y vais. Vas-y, prends l'indice. Indice à ma droite. Ok, j'examine. Vas-y. Quelqu'un a chié sur le sol. Non, si t'appuies sur table, tu vois qu'il y a une partie de la carte qui a été grisée. Ah, c'est là où on doit aller, je suppose, c'est ça? Non, c'est là où il n'y a rien. Nickel. J'avais une chanson de Raka, nickel. Maintenant, on doit se prendre un deuxième indice pour rétrécir la zone au maximum. Ok. Et ben, on se casse, c'est là-bas. Ça fait des bruits bizarres. Mais ça veut dire qu'ils ont déjà trouvé la cible à abattre? Ouais. Mais comment ils ont fait pour être aussi vite? On n'a pas forcément besoin des indices, hein. Si tu tombes dessus par hasard, c'est bon. Oh, attends, il était aussi loin que ça? Tu vois les zombies là? Bah, ouais. Là-bas. Ok. C'est dans la maison là, on est d'accord? Ah, je peux broco. Ouais. Vas-y, viens. Là, on a tout l'air. Wesh, des canards! Ah, ah putain, mais t'es con ou quoi? Mais non, y'a. Ah! On fait plus de bruit que les mecs qui sont en train de tabasser un boss, hein. Il est mort. Sachant qu'on tue le boss. On doit ramasser le trophée et s'échapper. Ok. Et quand on s'échappe, tous les joueurs sur les cartes, ça nous envoie. Bah, soit un mec, mais de toute évidence, je ne sais pas tirer. Qui se fait arracher la gueule là? J'ai pris une bastos. Oh. J'ai pris une mort? Ouais, par un sniper. Je peux réa ou pas? Ah, je sais pas du tout. Non, on doit chasser. Là, le mec il a le trophée. Le mec il a son trophée et nous on doit récupérer le trophée maintenant. Ouais, mais. Attends, il y a l'éclair et il y a un mec qui combat. Un autre groupe qui combat non, des boss. Non, l'éclair ça indique en gros quand t'es en occulte. Ah, on va où là? Merci. Quand on est en mode occulte avec eux, tu vois un éclair. Donc je vais tornade ou éclair gros? Éclair. Ok. Bah, à droite, ils ont commencé Cléopâtre ou je sais pas quoi là. Donc là, on va aux éclairs, on est d'accord. Tu veux qu'à tirer la fouille? Ouais, j'ai une bastos qui courait sur moi. Ok. Ok. Ouais, on va aux éclairs. En fait, les gars, on est des rituels en cours, 25%, 26%. Ok. En fait, les gars, on incarne des chasseurs. Et il y a d'autres chasseurs, on est dans une instance. Et on doit chasser des monstres, mais là on court plus après les chasseurs parce qu'on n'a pas réussi à chasser. Ah, attends, je me rappelle, ils avaient changé un truc. Maintenant il y a deux monstres. Ouais. Il y en a deux. Ok, je suis dans la zone éclair. T'es où? On est juste derrière toi. On est des mauvais chasseurs, ça se fait dire. Bah, il y a le bon et le mauvais chasseur. Ah, bon. On va c'est à l'autre bout de la carte, l'autre monstre. Allez. Ok, d'accord. Oh, on s'est
vais tirer dessus. Ouais. Bon, et venez, on traque. Ou t'as ramassé une prime, mais je comprends pas. En fait, on n'est pas obligé de courir après les gens. On peut traquer notre proie. Ah non. Et en fait, là, il y a deux proies dans la carte. Il y en a un qui s'échappe avec une des proies, et là, il y a la deuxième. Et eux, ils viennent de la tuer. Ah, donc là, ils sont en éclair. On les tue, là. Soit on les tue, soit on a perdu. Ok. Donc, il y a forcément une team lésée. Des fois deux, apparemment. Après le chat. Ok. Vache. Et est-ce que... Ouais, ça a tiré vers là-bas. C'est des maps procédurales ? Non, non, non. Pas loin, attends. Légèrement sur la gauche, non ? Ouais. Ah, je sais pas viser. On te suit. Ah, mais je les vois. Ah, c'est sur les bords de map. Ok, ouais. D'accord. Ok, donc là, ça ressemble un petit peu à Dead by Daylight. Très bien. En gros, quand t'as la prime sur la map, tu dois aller à une sortie qui est dans un bord de map. Et il y en a souvent 3. C'est exactement... Tu vois ou pas, Alban ? Ouais, ouais, je viens de... On est, donc dans une... on est donc dans une instance avec 3 issues seulement. Il faut qu'on fasse la prime ou qu'on poursuive une prime et qu'on se barre à une des sorties. Mais l'avantage, c'est qu'on peut attendre les gens à une sortie. Tu vois ? Ouais. Oui, aussi, ouais. Il faut parier sur la bonne. Ouais, 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 mais... Ok, 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 ça en dit long. D'accord. Ah oui, il faut 30 secondes. Ok. On reste là, hein. Venez, on reste ici, accroupi. Hein. Bah, y'a plus personne. Bah non, il y a une autre team. Y a 4 teams, gros. Donc, il y a une autre team lésée. Au moins, on est tous en vie. Bon, okay. J'ai pris une petite bosse, okay, okay. Voilà. Bon. Tuer au passage du zombie, ça XP. D'accord, très bien. Donc, premier truc, les gars, vous mourrez un autre jour. Demain ne meurt jamais, jamais. Donc, en gros, maintenant qu'on a fait la première game, entre guillemets, tuto, premier truc qu'on fait, les gars, on regarde où sont les estrates. Vas-y. On court sur les indices. On essaye d'aller sur une prime, si possible, le plus rapidement possible, avant les autres. Et après, on essaye de s'extraire, ok ? Et j'ai un pour américain. Ouf, snipes. Oh, j'ai trop hâte, je vais mettre des quicks. Il y en a un direct à gauche, là. Indice ? Ouais. Mais genre, je crois qu'il est assez près. Elle est un peu plus petite, la carte, là. Il n'y aura qu'un seul boss, là. Go, ouais. Go, go, on trace. Deux. Allez, on y va. On y va. Merci, Mo. Hésite. En tout cas, merci de pour rien, tes... mais je suis chasseur. Hein. Tes expertises assez pointues. Merci, mon Tazes, pour le 33e mois. Bah, tu sais, ce que mes grands-parents m'ont dit, c'est que je suis chasseur. C'est qu'ils ont... Ils sont guidons. Regarde, attention derrière toi, Wouh cher. Il m'a démonté. Il est mort. C'est bon, enfin, cochère, on a déjà... On a déjà réveillé toute la map. Allez, go. Il y a des chiens maintenant, mais c'est quoi ces conneries? Hop, ta gueule, le chien. Ça fera que faire plus de bruit. Ok, j'active. Vas-y. Let's go. Info. Ok, c'est pas ici. C'est pas du tout dans cette zone ? Non. Alors attends, on va regarder. En face, en face à gauche. Sud. Ouais. Ah oui, c'est proche, ça, c'est bon, ça. Ok, j'ai déjà compris le jeu, j'ai déjà compris tout le jeu. En vrai, j'avoue... Non, on peut aller à une extraction et on se barre. Ça sert à quoi ? À rien. Nickel. On a des extractions proches ou pas ? Oh merde, bah, le corbeau, c'est pas grave, il s'en remettra. Derrière, où on était ? Sinon, c'est tout en bas de la map. Non, qui a tiré ? Putain, gros. Et moi. Évitez, les gars. C'est pas comme si on avait alerté déjà à moitié du Connecticut. Ok, deuxième indice, juste ici. Ok. La Siri d'Ash Creek. Cascade. Oh merde. Attention qu'il n'y ait pas le boss à l'intérieur. Oh si, 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 il est. Joueur, 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 joueur. Mort, mort, joueur mort. Joué. Sur moi. On rejoint. Sur moi les gars, sur moi, go go go. Touché. Il est mort. Derrière zombie, faites gaffe. Les deux, toute l'équipe est morte. On a deux qui sont morts, ouais. Ah, on là, peut là, les... là, oh, putain, l'autre joueur. J'examine. J'examine. Les gars, avant de vous... Y'a moyen que vous m'aidiez, non? Quelqu'un? Voilà, nice. Il est mort aussi, lui.
Parce qu'il manque un joueur. Tu sais, c'était un joueur lui. Oui, mais oui, c'est moi qui l'ai tué. Les gars, vous avez pris l'indice ou c'est eux qui l'ont? Non, c'est moi qui l'ai pris. Non, je pille. Non, c'est juste pas ici. Ok. Faut qu'on aille nord-ouest. Demi-tour. Vous voulez pas qu'on fouille? Enfin, qu'on attende le troisième, le dernier joueur? Non. Bah, il y a un truc mort juste à gauche en face. Un truc mort juste à gauche en face? Juste à sa gauche là. Il vient de mourir lui. Donc, tu penses qu'ils sont tous morts? Mais non, ça c'est un zombie. Donc le mec est pas loin. Indice à droite ou pas? On y va. Go. Ça me fait tellement peur. Oh les gars, j'ai mis une balle de snipers direct dans le man. Attention mon pote, hein. Il a pas fait son malin, le coquin, là, hein. Vous pensez qu'il va rire à ses potes? Oui. Je pense. Ah, les chiens aussi, ils nous ont dit. Allez, meurs, c'est ça. Oh non, je suis empoisonné, les gars. Quel enfer. Ouais. Allez-y, les gars, prenez l'indice, les gars. Attends, il y a un chien qui arrive sur toi. Jure. Mort. Prenez l'indice. Attends, il y a un clébard. J'y vais. Je m'en occupe. C'est bon, le clébard est mort. Mort, ok, info. Eh bah, c'est en face, on a la cible. Allez, go. Go. On y va, les potes. Par contre, j'ai parfait, plus vu. Bah, soigne-toi. Bah, je sais pas. Nickel. Hop, il est mort, lui. Gardez des balles, les gars, pour le boss, hein. Viens, je vais te soigner. Attends, on fera ça là-bas. Oh putain, elle est dans la grande range. C'est l'araignée qu'on a. Il y a des pièges ici, les copains. Faire le plein de munitions ici, les gars. Plein de munitions. Là, les copains, ici, vous pouvez débloquer un plan ou je sais pas quoi. Attends, non, on est au boss. Non, faut le tuer, elle. Elle qui a des putains de bouche. Oh non. Vous l'avez eu? Une morte, mais il en reste une. C'est quoi ça? Casse-toi! Elle est morte. Oh les problèmes! Les problèmes, il y a des sangsues, il y a toute la terre! Une sangsue morte? Une sangsue morte? Bon, et il est où là le bordel là? À l'intérieur. Oh shit! Bon, je suis dedans, tuez l'araignée. Oh, j'aime pas ça moi! On peut prendre la hauteur, les gars. Ouais, mais... Elle est où? J'ai pas envie de la sauter. Ah, c'est horrible. Ah, casse-toi. Je l'ai flashbang. Mais c'est qui qui m'a flash? C'est moi. Je suis coincé maintenant. Mais non, tu vas t'en remettre. Si, je suis coincé. Je lui ai mis 5 coups. On y va, les gars. Wesh. Elle est horrible cette putain d'araignée. Ah ouais, t'as vu comment elle cavale. C'est bon, je vois le cul. Attends, je vais peut-être l'avoir d'ici. Attendez, j'ai un cocktail Molotov, elle est où? Elle est là. Bien, salope. Brûle. Brûle, créature de Satan. Elle est bientôt morte. Soignez-vous. Elle est partie au fond, attends. Je crois qu'elle est quelque part par là. Elle est remontée, non? Elle est là. Mon dieu, quelle horreur. Elle est où? Elle est en dessous. Elle est en dessous. Vas-y, elle est morte. Morte. Oui, c'est bon. Voilà. Quoi? Ah non, eh ben, elle a choisi l'endroit où mourir. Ah, okay. Je commence le rituel. Okay. Les gars, on cover, on soigne, on cover à fond. Vas-y. Porte ouverte ici, c'est bizarre, j'ai pas vu une porte. Depuis bien longtemps. Okay.
Les gars, dites-moi où il y a des munes. Ouais, c'est ce que je suis en train de chercher. Parfait, les gars. Putain, elle était horrible, mec. T'as vu à quelle vitesse Où est-ce qu'il y a des munitions? Peut-être à l'étage, voyons voir. Check notre prochaine extraction, moi, s'il te plaît. C'est d'où on venait. Il y a plein de zombies dehors, hein, donc si des mecs viennent... Ouais, c'est surtout pour les entendre arriver. Mais attends, personne n'a commencé la deuxième bête, ça sent pas bon ça, hein. Ça sent le guet-apens, les gars. Ah, il y a des munitions ici, à l'étage. Message de mort. Bah là, faut aller... Faut aller à l'est. Bah venez par là où on s'est barré, là. C'est là. Tout droit. Qui n'a pas la prime? Moi. Bah vas-y, tu peux aller devant. Comme ça, si tu reçois une balle au moins. On va plein est, hein, c'est parti les copains. Là, le petit toit. Allez, go. Hop. En vrai, si on serait gourmand, on irait prendre la deuxième récompense. Hein. Ils sont en train de se battre, j'ai l'impression, les mecs. Ouais, j'ai bien l'impression aussi. Ouais. Plus, ça vient de loin, donc. C'est loin, hein, les celui copains. Celui qui a pas la prime, si tu peux aller devant. J'y vais, je cavale. Le jeu est méga bien. Bah, franchement, avec deux potes, les gars, ça se fait, hein. C'est un jeu de tryharder, hein. Ouais. Tu fais en boucle, t'essayes d'avoir un max de prime et tout, ça se fait bien, hein. Le jeu est sympa. Et les maps sont assez grandes, ça a l'air assez varié. Et ça fait peur, je trouve, hein. Ouais, par contre, j'avoue, l'araignée était horrible, hein, vraiment. Attention dans l'eau, attention dans l'eau. Oh, y a un gros balèze. Oh non, pourquoi t'as tiré dessus, gros? Faut le tuer, c'est à gauche le... la sortie. Attends, là y a des balles. Un bateau. Je crois, non. Parfait, messieurs. On s'en est... On a lavé une équipe comme... Exactement comme la game d'avant. On a lavé une équipe, on prend une prime et on sort. C'est beau, les gars. Oh, le taf est fait, quoi. Le taf est clairement fait. Il est sur les consoles next-gen, le jeu? Je pense, hein, non? Excellente question. C'est du propre. Oui. Les gars, travail propre, bien fait, classe, arrondi dans les bords. Il a dû sortir son console, c'est sûr. Voilà. Vous mourrez un autre jour. Un autre jour. Bon, les amis, c'était un showdown, c'était une petite OP fort sympathique. N'oubliez pas qu'il y a les Twitch drop en ce moment même, bah sur Twitch, hein, vous l'aurez compris. Pour la même, bah par l'occasion, ils proposent le jeu de base, tous les DLC pour 24,99€, donc en vrai, ça vaut le coup. Moi, je vous fais gagner de mon côté quelques petites clés très sympathiques. Et que vous dire, mis à part, bah les gars, bonne chasse. Tout simplement, le jeu était une bonne découverte. Il y a moyen qu'on se refasse, quand on sait pas trop quoi se faire, une ou deux parties dessus. Ça peut être très sympa aussi. Pas de soucis là-dessus. J'espère que ce jeu vous a plu. Le chat et YouTube, évidemment, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt. Je rappelle aussi que, bah, vu que le jeu existe depuis 4 ans, ils ont fait des refontes. Il y a des événements à chaque saison. Le jeu est toujours perpétuellement mis à jour. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Allez, bisous tout le monde, bye!